au Cap, jour qui c'est 10 janvier 2024, conférence pour la presse, au PCH. Au PCH, c'est une organisation qui libre et qui grand monde tête libre, qui a pour mission bataille pour ville au Cap tourner, joindre visage d'antan. Absalié, la presse parlée, écrit, télévisé, ak média en ligne, tout gros bataille y a fait nan informer ak formé population. Li profite moment ça tout pour saluer population au Cap là qui trouvait nan kap coin pays ak silayo ki deyò peyi a. Jodi a au PCH ki se avant-gardiste population a dressé yon bilan sombre de état physique ville Cap Haïtien ak gestion kek dirijan nan ville la et spécialement la mairie au Cap ak TPTC Roche Nord. Après plus passé cette année, équipe Yvoz Pierre passé dans tête municipalité a ak Alain Louis qui se directeur TPTC qui gen 16 l'année dans tête TPTC. Au PCH constaté ces catastrophes, déception, corruption, gabji, incompétence, irresponsabilité, c'est ça qui map fabrique des équipes Sayo. Yes, 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 yes. Dans quatre missions, population confiée, l'aide considérée, garage, chantier, marché public, fatra, akawash, kiblaï koyo, sous tout trottoir, ça qui vient, bay, gros blocus chaque jour dans villa. Tout ça c'est conséquence d'un groupe sans conscience qui gère villa qui pas gain leadership, qui pas gain aucun leadership sous villa. L'en considérer matériel mairie et matériel TPTC au Cap là a fait job privé pendant ville la rete sale tant pour peigne si dans fatra la boue inondation poussière glos senti fen pa ka marcher dans commune là. N'a profité mandé bon gens explication sous des bascules, des gros bascules mairie au Cap qui pa jam dormi nan garage mairie qui a fait job privé nan yon compagnie qui rele bien nettoyé. Et c'est même compagnie ça qui rele bien nettoyé a mairie au Cap bay et prêt 500 000 goudes à 2 millions de goudes presque chaque mois pour ramasser fatra dans la ville là. Pendant n'a vive un moment difficile ville au Cap pas jamais connaît depuis exister. Pour toute raison ça yo ak en pilote au PCH a demandé ministre intérieur et pour venir faire bon gens audit sous cette année équipe Yvoz Pierre passé dans tête mairie pressé pressé. De, au PCH a demandé pour ministre travaux publics là, vin faire audit sous gestion directeur TPTC Noah Alain Louis. Façon l'a utiliser matériel l'état yo a fond qui débloqué pour faire travail dans département Noah pressé. 3. Au PCH a demandé ministre finance pour venir faire bon gens audit sous gestion
font diligence là dans commune cap haïtien pressé pour garantir la paix et stabilité dans ville au cap. Nous demandons révocation équipe Yvoz Pierre dans tête mairie au cap là. Nous demandons révocation directeur Alain Louis dans tête TPTC Branche-Nord. Nous demandons révocation directeur Dorville Etienne dans tête finance dans Nord. Et la famille Dorville, c'est eux-mêmes qui ont compagnie qui relaient bien, moi je suis cité dans le texte, dans le document. C'est lui qui gagne dans mail presque chaque mois. Et prend 1,5 million de gouttes à 2 millions de gouttes, la prend dans la mairie cap haïtien pour me ramasser Fatra dans la ville. Pendant nous, la ville là, nous pas qu'à marcher là avec Fatra, lui senti tout côté passé, Fatra a fait blocus, ni mon à pied, ni mon qui a machine, ni mon qui a moto. Littoral, Force Saint-Michel là, c'est compagnie ça qui est bien. Pendant que nous, plus passé 5 ans, littoral là a commencé, il pas qu'à fini, c'est bien qui a fait. C'est lui-même qui gagne et contrat dans le mail. Nous, ça déjà, m'a prédit encore, c'est pour la première fois. Nous, un projet comme ça a fait, pas gagné une maquette qui dit, mais combien de projet a coûté, mais qui va aider fonds pour financer le projet, mais qui dirait des temps projet a duré, ça veut dire nous déjà comprendre que c'est bagaille, zamitaille, bagaille louche, bagaille voleur, nous dit comme ça, pour régler. C'est ça que fait, nous te dit nous, bien c'est pour la famille Dorville, et bien Dorville comme étant directeur finance, et bien nous senti, et nous donne information tout, li nan complotay avec. Directeur TPTC Alain Louis, il est en complot ensemble avec la mairie du Cap Haïtien. C'est ça que fait nous demander pour révocation. Nous demander révocation. Ou pas peur, vous devez me servir, Dorville t'a pas voué, il y a un mandat à aller mener venir pour vous, ou pour fournir une preuve d'accusation ça? Ça, on a dit là, nous avons preuve. Nous avons preuve nous-mêmes. Dans une intervention, Maïsra, il n'y a pas de cop pour nettoyer la ville là, ça que la ville là n'a pas de nettoyer. Parce que tout cop qui vient dans la ville, il monte pour tout le prince. Quand il joue 1 million à 2 millions de gouttes là, pour le bail, bien nettoyé, je monte. Et nous passons à voir que la mairie Cap Haïtien fait partie des mairies autonomes dans le pays. Ça veut dire qu'il n'y a pas de tête. Il n'y a pas besoin de pouvoir central pour faire travail dans la ville. Et je dis nous, pendant cette année, Yvoz, l'équipe Yvoz là, dans la tête mairie, dans la tête municipalité Cap Haïtien, c'est. Cartel qui recevoir plus l'argent dans les pouvoirs centrales. Par exemple, et nous sommes à regarder là, et 18 novembre qui se passe là, les Cap Haïtien recevoir 8 millions de gouttes. Qui ça nous a été fait? Comme journaliste, nous sommes là, nous sommes constatés. Qui ça nous a été fait? Rien.